Ce qui m'énerve chez Cindy, c'est que quand Mago vient au piol, qu'elle me veut tuer, elle est sur le lit, elle ne veut pas quitter, elle ne veut pas sortir. Elle reste là, comme moi, je m'en fous devant elle. Parfois, ce sont les filles qui courent derrière lui, qui veulent former, veulent former, veulent former. Parfois, il y a les filles qui m'appellent, qu'elles veulent fondre. Là, il y aura les critères, il y aura les caractéristiques, je regarde Donc, ça. s'ils vendent même le piment, c'est que oui, là, il y a l'argent. Si je dis justement, de ce que. Il y a au moins une relation sérieuse. Il refuse. Souvent, il va pas faire. Stéphane, ça c'est une bien parfaite. Zini, une voix parfaite. Ok. Ça c'est le moment. Ok. C'est vrai qu'on joue à un jeu. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Stéphane et toi. Que tu lui dis réellement ce qui t'énerve chez lui. Ce qui m'énerve chez lui. Oui. Et qu'il accepte et que son cœur reste ouvert. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Stéphane? Ok. D'accord. Vous êtes d'accord. Et commence. Ce qui m'énerve sur Stéphane, c'est que chaque fois quand j'ai un problème, quand il vient l'expliquer, il ne réagit pas directement. Il prend toujours son temps pour observer, pour voir qui a tort, qui a raison. Pourtant, c'est mon best, normal, même si c'est tort. Il doit d'abord agir avant de voir le reste après. Oui. Voilà, c'est vrai. Accepte. Ok, j'accepte. C'est Et vrai. ton cœur reste ouvert. C'est vrai, j'accepte mon cœur reste bon, ouvert. J'accepte mon cœur reste ouvert. Ce qui m'énerve chez Cindy B, c'est que quand elle a un problème, elle ne se calme pas. Elle veut seulement, c'est parce que le sang chauffe. Elle veut vite faire et après, elle ne, même si elle a tort après, elle ne va jamais accepter ça. Elle va seulement vouloir avoir raison. Il accepte et mon cœur reste ouvert. Ce qui m'énerve sur Stéphane Do, c'est que quand ils sont en groupe, les amis, avec Thierry, il me pas comme ça. Là. Si Thierry dit qu'il a un problème de 15 000 maintenant, Stéphane doit créer 15 000. Mais quand c'est moi, Stéphane doit dire qu'on a volé ses mamies. Yes. C'est faux, c'est faux. C'est vrai. Voilà. Ok. Ce qui m'énerve chez Cindy B, c'est que quand nous sommes ensemble, elle peut acheter le poisson brisé. Quand elle rentre pour manger, elle ne peut pas penser qu'elle peut acheter ma part. Elle vient me dire que coupe un peu les fesses, tu manges. Et ça ne me plaît pas. Il accepte mon cœur reste ouvert. Si je dis devant de ce que. Il y a au moins une relation sérieuse. Il refuse. Accepte ton cœur reste ouvert. Il refuse et mon cœur reste fermé. Attends, il a dit au moins une relation sérieuse. Il est fidèle à cette relation. C'est une relation. Attends, cite un peu quelques noms. Là, il ne veut pas citer un homme. Ok. Si c'est vrai, c'est quelques noms. Si c'est vrai. Si c'est vrai, il veut citer trois noms. Il y a l'autre qu'on appelle. J'ai oublié son nom. Elle est rasée comme ça. Elle est rasée. Les cheveux jaunes, la teinte des cheveux jaunes. Il y a l'autre qui est une petite de colle un peu comme moi, comme Comment? ça. Hein? Non, son prénom, juste son prénom. Non, j'ai oublié son prénom. Il y a l'autre, elle est noire comme ça. Là. Elle fait striptease. Manuela. Il y a l'autre. Bon, on n'avance pas. On avance, non. C'est moi, c'est mon tour maintenant, non. Est-ce que tu acceptes? À tes filles, à ce que tu Oui, as sauvé. j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Oui, vas-y. Oui. Ce qui m'énerve chez Cindy, c'est que quand Mago vient au piol, qu'elle me veut tuer, elle est sur le lit, elle ne veut pas quitter, elle ne veut pas sortir. Elle reste là, comme moi, je m'en fous devant elle. Il y a celle de mon cœur reste ouvert. Mais Anne, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que chaque fois, quand elle sonne, il ne tue pas derrière. C'est toujours quand elle est là qu'il voit que nos ingots doivent venir pour qu'il tue. Et moi, je ne veux pas sortir, faire les doubles. Comment Réforme. oui, moi de rester, je ne veux pas sortir, je suis fatigué, je ne veux pas sortir. C'est bien qu'elle rentre quelque part, et me coucher, je ne veux pas me coucher parce que la gorge doit tuer. Comment? À toi, s'il te plaît. Bon, ce qui m'énerve chez Stéphane, c'est que quand il vient à Douala, il visite d'abord les autres personnes. Ils ne connaissent pas que nos Cindy B vit à Nebel. Ils peuvent même pas Nebel voir Cindy B. Ils peuvent contourner les quartiers de Bounamoussadi, Makepe, pour saluer les autres, comme si peut-être moi et force. Et de force, hein?
J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ce qui m'énerve, c'est Cindy B, c'est que elle change vite ses amis. Elle change vite ses amis. Elle ne connaît pas attendre, à serrer le cœur, patienter, comprendre des gens. Non. C'est que vous, tout, une fois, c'est fini. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Ce qui m'énerve, c'est que quand je lui présente une de mes amies, mon ami devait être ami avec lui plus qu'avec moi. Et quand il y a un problème avec la personne, qu'elle vient raconter, il pouvait supporter mon ami qui connaît derrière moi, que de me supporter, moi qui son ami enseignement. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Ce qui m'énerve, je suis Cindy B, c'est que elle ne veut pas comprendre que moi, je ne prends pas le parti parce que c'est mon ami, parce que je prends le parti en fonction du problème. Celui qui a tort. Même quand tu sais que j'ai raison, tu prends le parti. Je comprends les même deux parties. Même si c'était passé avec le machin aussi, là-bas, tu savais qu'il y avait raison, mais tu prenais quand même son parti. Dis avec ce que tu racontes là. Même il va te dire qu'il y avait que c'est moi qui avais raison, mais tu prenais quand même le parti d'Oni. Tu n'as pas terminé. Tu me dis que tu acceptes ton cœur reste ouvert. Ne justifie pas la partie là. C'était moi qui parlais, non. C'est moi qui parlais, non. Ce qui m'énerve, c'est Cindy B, comme je vais terminer, c'est qu'elle ne veut pas souvent se calmer, comme j'ai dit tantôt ici. Ok. Et quoi encore? Bref, j'ai terminé. On a terminé. Une dernière chose à dire, s'il vous plaît. Une dernière chose à dire. Il faut un dernier tout là. Ce qui m'énerve, c'est Stéphane Do. C'est qu'il est en train de. Ils sont comme ça, là, on est en train de rire, mais il est en train de comploter pour voyager sans moi. Parce qu'il veut vite arriver à Yaoundé pour. Et bien, il est sans toi là. Quand tu voyages sans lui à Cindy B. Pourtant, on a programmé qu'on doit aller à Yaoundé ensemble, mais il veut fuir derrière, partir sans moi. Et pourquoi? Parce que quand il va arriver à Yaoundé avec Cindy, quand ma quoi venu pour. Quand Cindy veut me rendre visite. Elle même ça me rend visite, Cindy va rester sur le lit, se coucher là-bas, qu'elle ne bouge pas. Même si la go fait les signes à Cindy que ça même non, elle va seulement rester là. Et aussi, une dernière chose, ce qui m'énerve c'est, chez Cindy B, c'est qu'elle n'aime pas préparer. Je suis juste à dire, ce qui m'énerve chez Stéphane, c'est que quand une seule go vient préparer pour qu'on mange à la maison, qu'elle prépare, Stéphane compte comme elle m'essaie. Et contrôle. Si tu veux que ça serait la plus bien que deux viandes, non. Moi, je ne peux pas me servir, mais peut-être quatre viandes. Il va te dire, parce que moi, il va te dire, comment c'est peut-être. Comment c'est resté pour lui, c'est pour toi, il va préparer pour nous deux. C'est bon. Accepte ton cœur, reste ouvert. Tu as accepté d'abord. Oui, j'ai accepté. Tu n'as pas accepté d'abord. Je n'ai même pas préparé, j'ai accepté. Voilà. Accepte aussi que tu conclues la nourriture. Que tu conclues la nourriture parce que ça n'a pas vite fini. Il faut faire l'économie. Lui, il est cher au marché. Lui, il est cher. Actuellement, il a combien de doses, Cindy B? C'est que, comme depuis Stéphane et moi, on ne s'est plus vu là. On ne peut pas savoir. Dans ce cas, elle est montée sur Yaoundé, côté de fax. Oui. Mais, comme ça, honnêtement, quand lui donne, est-ce lui forme uniquement ses go ou bien lui, il forme toutes les go? Quand il vient comme ça, il forme ses go? Non, non, Stéphane au tri, il ne forme pas n'importe qui. Mais pour former une fille, est-ce qu'il est en couple avec la fille avant de former? Je ne sais pas trop, je ne suis pas trop à ça parce que. Pour cerner Stéphane de ses dieux. Est-ce que pour former une fille, vous deviez être en couple avant que je forme? Non, non. Parfois, ce sont les filles qui courent derrière lui, qui veulent former, veulent former. Parfois, il y a les filles qui m'appellent, qui veulent former. Là, il y aura les critères, il y aura les caractéristiques, je regarde. Donc, s'ils vendent même le piment, c'est que oui, là, il y a l'argent. Je regarde et vois si c'est bon, si elle paye bien. Bon, je vais clôturer, mais mesdames et messieurs, chers tous, travaillez, fréquentez et vos diplômes et faites un bon travail pour ne pas finir comme Bertrand l'influenceur à faire le micro-trottoir en route. Vous voyez un peu. Merci. C'est bon. Il peut parler. Oui, bon, merci. Merci pour cette vidéo. Bon, là, je m'adresse à la jeunesse camerounaise, africaine et consort. Les jeunes, vous savez que c'est dur. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le conseil que je peux apporter à la jeunesse camerounaise et africaine, c'est que les gars, jouez.
jouer au Paris Foot, jouer à Ainsbet, jouer à Melbet, jouer à Betpower, jouer à tous les jeux de hasard parce que nous sommes en concurrence avec les Sugar Daddy. Et si nous, on ne joue pas à Ainsbet pour avoir l'argent, on n'aura pas les gros. Parce que nos petites filles d'aujourd'hui, là, tu arrives de 15 ans et te parles mal. Pour cela, on ne va pas voler, mais on va jouer au Paris Foot, les gars, jouer énormément. Parce que les Sugar Daddy concurrencent les jeunes dans le jeu. Oui, oui, oui. Ils nous concurrencent avec l'argent, nous on va les concurrencer avec le jeu et on va mener les filles. Les gars, vive le vive les jeux de hasard. Continuons comme ça, les gars. Ça va aller. Vous voyez, aujourd'hui, moi, c'est dans les jeux de hasard que j'ai acheté mon téléphone et dans un peu de... Vous voyez, c'est ça. Je ne vais pas dire le reste, mais c'est ça. Les gars, jouez, les gars. Je vous encourage. D'accord. Merci d'avoir participé. Surtout, n'oubliez pas, comme on vous a conseillé, jouez aux jeux au hasard parce que ce sont les vieux là. Vous voyez, il y a une belle bête, il y a assez fait un micro-trottoir. Vous voyez, travaillez. Jouez au jeu de hasard parce que ce sont les vieux là qui encouragent les jeunes. Mais ça fait. Le héros bien, ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait pleurer. Prenez conscience, c'est Bertrand, et à la prochaine pour un nouvel épisode.